Bonjour YouTube. Et c'est ici que sont les meilleurs titres de stream et de vidéos. N'hésitez pas à regarder en dessous encore de cette vidéo où vous verrez un titre absolument exceptionnel. Ou pas. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Encore une fois, faites gaffe à ce que vous demandez. Il n'y aura peut-être pas des rats, mais il y aura un inquisiteur. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Oh, cinématiques. Château. Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. Le château d'ombrage. J'ai douté à un moment. Mais ça, ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. D'accord, je pensais que c'était mon château. C'est pas mon château. Donc c'est bon, t'auras le droit de piller tout ce que tu veux dedans. Elle avait demandé pas de rat, je crois. Soit exaucé, non? Non, y a voilà, j'allais dire, il y a forcément un truc ici. C'est fait. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui pue. C'est vrai, oui. Ah! Ah mais donc en fait, sous mes aisselles, je cultive des remèdes. Je vois pas... Je vois pas comment... Wow. Ça, l'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Rigoler. Courez. C'est de la folie. Oh merde, non, lui... Non mais il est lent! C'est pas moi, c'est Lucas! Au secours, je tombe Raider. Oh mon dieu. Attention hein, ne lancez pas sur le concours de jeu de mots parce que... Ok si c'est bon là. J'étais particulièrement dégueulasse sur ma taille Mat Portia hein, récemment. Ok, on va attendre le prochain éclair. Peut-être que Lucas là ce coup-ci va se... Hein. Voilà, réveille-toi Lucas. Maintenant, courez, c'est de la folie. Plus jamais. Ah bah plus jamais. Incroyable. Des gens vivaient ici. Encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. On va attendre le prochain éclair, on lance ça. Tu devrais aider, c'est le moment. Allez, allez. T'éteins pas. Non, t'éteins pas. Bordel de merde. Allez, j'ai paniqué. Merde. Passe. Je vais t'aider. D'accord. J'ai paniqué, j'ai paniqué. Je me suis dit... Lucas. Salut Kraken. Le château d'ombrage. Wow, il est encore plus gros d'ici. Entrons vite, venez. Ça c'est marrant parce qu'ils mettent des barricades de façon à ce que je... Elle avait pas demandé du vin tout à l'heure? Baisse la porte. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Mélie? Tu peux t'en charger. D'accord. Ah, pardon, tu veux peut-être la place. D'accord. Ouais. Tu peux garder les détails pour toi, comme de ta dernière coléoscopie. Merci. Attends, on est obligé de lui demander de partir pour rentrer. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait.
C'était les rendez-vous. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra ah, merci. Bouger les rats. Comme ça, ça m'économise de le faire moi-même. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Ah, super. Prête, Mélie. Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Ok, t'enflamme pas trop quand même, cocotte. Hein. Je dis ça, t'enflamme pas trop. Hein. Pendant ce temps, les mecs, ils s'installent. Mince, il n'y a plus d'éclair au chocolat, putain. Oh, regardez, ça va les mecs? Ça, je vous dérange pas? Vous me dites, hein? Excusez-moi. Ok, par contre, on va repérer où est-ce qu'il faut aller, hein. Vous croyez qu'ils ont prévu le fait que le joueur soit suffisamment con pour tomber là? Non! Il y a un mur invisible. Mais j'ai essayé. Ah, y a pas de petites économies. Hein. J'aurais pu l'enflammer moi-même, mais... Enfin, on aurait pu l'enflammer, je veux dire, à la fronde. C'est ça que je voulais dire. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Bah, bouchon... Ah! D'accord, faut qu'elle vienne avec moi. Très bien. Ouais, pour pousser ça. Pousse, bébé, pousse! Oh, c'est beau, ouais. Est-ce qu'on peut pousser les rats jusqu'au bout? Bon, il n'y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. C'est pour faire le tri dans les rats. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Le brasier, on l'est tout seul. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. C'est notre château ou pas? Bon, ceux-là aussi doivent finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien, alors je te couvre avec le brasier. Elle a bien dit qu'elle me couvrait avec le brasier, hein. On est d'accord. Ah, je sais hein, que c'est... Voilà. Ah, vous barrez-vous, là, voilà. Fantastique. On va les empêcher de rentrer. On met ça par ici. Ah, c'est vrai qu'il revient tout seul. Oh. C'est ma vie que je mets entre tes mains là, hein? Ouais, la routine quoi. Vous croyez qu'elle va me faire un prank? Vas-y. Tu peux le faire? Ouais. Elle va me faire un prank, vous savez. Hop. Ah non, je recule. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Ah! Je suppose que j'avais pas moyen de faire des économies. Ça coûte cher en ressources, hein, tout ça. Wow! Un jour, je vais reculer dans le tas de rats qui est derrière. Ça va être terrible, hein.
ça va. On me redonne les ressources. It's ok. Mélie, je vide l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Ah oui, d'accord, on fait vraiment le ménage. C'est pour ça que c'est ces dames qui s'en occupent. Voilà. Ah, une blague misogyne de plus sur ce stream. Ça m'était jamais arrivé, hein, je dois bien avouer, première fois. Alors du coup, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, faire ta part du taf? Ah, y'a rien là. Étonnant. Mais on les a pas tous évacués, il y en a encore quelques. Secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Non, mais j'en ai raté quelques-uns quand même. Bon, et bah c'est reparti. Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va. Mais on vous entend crier. T'inquiète pas, l'orage couvre nos voix. On vous entend crier. Et Hugo, il a un suçon sur le cou. Alors, je suis pas sûr que ça soit un suçon quand même, faut pas déconner. Pas si jeune. Quoique. Okay. Ça t'est déjà arrivé sur Breath of the Wild? Non, mais bien sûr, c'est commun. Sur ce stream que je fasse des blagues de merde, et malheureusement, dont les victimes sont les femmes, je suis désolé, mais ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Tu veux. Va me faire avancer par ici. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Oui, tiens, c'est vrai. Baissons-le avant. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète quitte le château d'ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je. Allez. Faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Ah! Toujours dans les bons plans, hein. Allez, vas-y! Oula! C'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château! Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Bah, ici à l'Amazone. Vous avez une histoire? Très drôle. Vous voyez, autant le... Oh là. L'histoire avec... avec Hugo, enfin la relation avec Hugo, je la trouve très bien travaillée. Et bah c'est pas la seule. Ulfric Sombrage. Non, c'est pas son château. La relation avec là avec Mélie, je la trouve aussi assez sympa, vraiment même. Amicia, arrête de rêver. J'ai besoin que tu me renvoies le brasier. Oui, oui, je m'en occupe. Quoi? What? Putain, ils sont vénères quand même, hein, les rats. Je suppose qu'il n'y a pas de loot. Allez. On évacue les rats. Je peux pas tourner la caméra si je fais ça, d'accord. On va jusqu'au bout. Ouais, j'arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Ah, et du coup, faut faire. D'accord, faut que je remonte ici. Ah, et si on n'a pas l'interaction, ça fait tout de suite. Les rats, c'est des putains de Saitama. Ah non, bah non, c'est pas vraiment les One Punch Man. Allez. Qu'elle s'apprête
connaît de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cave pour toi ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas, d'accord? Oui, c'est vrai, ça. J'ai compris. Allez, c'est la dératisation. Mélie la furie, tiens, c'est plus. La furie. Je t'avais dit que tu me connaissais pas. Ah. On a réussi, oui. Oh, ça va, c'était pas compliqué. On a réussi. On les a repoussés. Est-ce qu'il s'agirait pas de les massacrer maintenant? Le château nous a sauvés. Ouais. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Et ton Allez, frère. Tous à la tour. Son frère. C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Ils ont mérité une bonne nuit de sommeil. Même si. Il y a quelques minutes, on dormait déjà. Mais Lyra, ça grimpe au mur. Oh, c'est magique. Chez nous. Oh. Je suppose qu'en anglais, ils ont traduit ça par home. Back to my home, sweet home. Alors, chez nous. Chez nous, dehors les étrangers. Oh putain, excusez-moi. Non mais c'est Lyra, hein. Ouais, tu faisais un cauchemar. Il a de plus en plus, hein, le... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein et ta tête de haut. Choses. Pas pendant les cinématiques. Viens voir, tu vas adorer. J'ai tendance à essayer de me cacher pendant les cinématiques pour que vous profitiez au maximum, finalement, allez, de ce que je joue. C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Attends, 30 secondes, je fais le plein de loot. Ah! Des outils. Alors, du coup, est-ce qu'on se décide à faire la pochette? On n'a plus besoin d'un atelier pour améliorer son matériel. Ah! Bon, voilà une bonne nouvelle! Ça va me simplifier la vie. Derrière. Ok. Très bien. On aurait plus besoin de... en plus, j'ai le dernier pour le fabriquer. Donc, on va récolter du cuir, de la moustache et... formidable. On n'aura plus besoin de l'atelier pour s'améliorer. Visiblement, c'est effectivement la. Il ferait mieux de rester avec Hugo. Mais sinon, il va faire une crise, il va faire un caca nerveux et ça sera terrible. Je crois qu'on l'a déjà dit, hein, mais c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. C'est plutôt joli, hein, comme endroit. On va avoir du travail. Hugo m'attend, je ferais mieux d'y aller. Ok, on va y aller. Regardez ça. Ils vécurent heureuses et adoptèrent un bébé rat. Enfin, non, quand même pas, non. Ils vont appeler Valérie Damino pour les rénovations. Extreme makeover. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie.
Ah, c'est sublime, ma chérie. Alors là, je vois des drapures. Ah non, mais ça, comment il s'appelle? C'est l'autre avec les reines du shopping. Oula, Lucas, il part en mode. Tu vas où? Je descends, tu veux venir? Ah. Ça va où comme ça? Ok, ce coup-ci, il m'autorise à visiter. Mais il faut que j'ai Hugo avec moi. JPEG. On ira après. On va visiter après. Damido, c'est quoi? Ah oui, viens avec moi, mon petit Jean-Mimi, je vais te présenter. Je vais te présenter toute l'équipe, tu vas voir, elle est géniale. Alors ici, on va maroufler. Ici, on va maroufler et ici, on va prendre des trucs magnifiques et on va les repeindre pour les rendre dégueulasses. Tu vois? Ce laboratoire est en Pardon. Mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout prêt d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui, oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Les alchimistes ont vécu ici. Hugo, une bougie. Laurent, tu aussi, peut-être? Oh, ça doit être ça. Qu'est-ce que ça va être, son... Ah, du cuir. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Comme une envie de chier, quoi. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Le grand œuvre. Ouais, le grand œuvre. C'était pas censé faire ça. Et merde, il a échoué. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. Ok. Mais au moins, c'est bien si... Il a pas perdu la foi. Il essaye. C'est quoi? C'est les cailloux. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec les cailloux? Encore un peu de ça. Ça coûte cher en ressources, mais ça serait bien que j'en ai un d'avance. Je vais faire ça. Je vais en faire un. Voilà. Bouloup, bouloup, bouloup. Donc du coup, on va pouvoir aller explorer notre château. Par en haut? Vraiment? Non, mais moi je vais en bas. Pire qu'un stalker. Je l'attendais et qu'il revenait. C'est magnifique, moche. Oui, connasse. Oh, et voilà. Hein? Ne jugez pas. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que je peux pas offrir mon frère, là, Hugo? Une tombe. En sacrifice. C'est qui? Je sais pas. On peut dire quelque chose, si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Ça reste respectueux. Bon, ça valait le coup. Moi, je m'attendais à des loots. Hein. Non, par contre, indirectement, là, bon, bah, je lui matais les fesses. Mais regardez un petit peu les vêtements et tout. Je trouve ça sympathique. Hein. Je vous ai dit que j'aimais bien le jeu. Non, mais à partir du moment où vous regardez une émission de télé-réalité ou de personnes qui se jugent mutuellement, peu importe sur quoi, si vous aimez ce type d'émission, excusez-moi, mais vous avez rien à foutre sur ce stream. Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Excusez-moi, c'est je juge vite, mais vous m'avez compris. Ok, lui il veut absolument aller par là, donc moi je vais de l'autre côté. Je vais retrouver mes amis les rats. Hugo m'attend,
Je ferais mieux d'y aller. Je saurai, hein. Un jour, je saurai ce qu'il y a derrière cette porte. Et trottine. Excusez-moi. Hop là. Téléphone qui a plus de batterie. Terrible. Wow. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Un creuset d'alchimiste. Lucas sera content. Ah, je peux lui ramener direct. Wow. Wow. Amicia, viens. On fait tous les deux. Ça va, on rigole bien. Ah, bah voilà. Que l'Inquisition aussi. Mali, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Ah merde. Son corps est en pleine croissance. Non mais je crois qu'on avait trouvé de l'eau. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ok, c'est bon. On peut y aller. Je peux pas monter. Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Un rond avec un boomerang au milieu. Faut pas courir dans les escaliers. J'aurais pas dû courir. Depuis le début. Estor, la cheville, fin de l'aventure. Regarde, ça serait con. Cool, hein. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens. Allez, par ici. Oui, notre mère ferait partie d'une des grandes familles de l'alchimie. T'es fait de nouveaux amis? Oui. Amicia? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas! Viens voir les papillons! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle,
On a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Je suis tombé dans quoi? Ah, on ne le sait pas. Je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Non, par contre, je suis très content que du coup, on aille sauver aussi Arthur. Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, oui, c'est je vais latin. Rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Sanguinis, machin, le sang de quelque chose. Hein? Excusez-moi, je suis pas... Alors c'est quoi, eux? Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tiens, c'est du millepertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Oh putain, je veux le même à la maison. Enfin non, pas avec la peste. Mais il est trop mignon. Aucun gosse n'est comme ça. Aucun. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Ok, il parle par énigme. Ah. Eh bien YouTube. Coucou, au revoir. Oui.